Salut tout le monde, c'est Zelda, on se retrouve pour un épisode de The Evil Within 2. La fois dernière, on avait... qu'est-ce qu'on avait fait? On s'est dirigé vers le théâtre, on avait tué pas mal de monde, et on avait nous rencontré l'espèce de spectre fantomatique bizarre, là. Enfin bref, ma foi, aujourd'hui on va poursuivre tranquillement, on va se diriger dans la première zone là-bas, en face de nous, en fait. Vers la première zone de... d'artiste de Stefano, voilà. Oh. Ouh là là, Sébastien, tu m'impressionnes. Tu m'impressionnes. Ok. Un truc caché là, non? Non, pas du tout. Ok. Ah, oh, les murs invisibles. Le retour des murs invisibles. Un plaisir. Encore de la bœuf, comme d'habitude. On croira dans les invisibles. S'il n'y a pas une... un truc. Ne pas faire de bruit. Oh merde. Je pourrais les tuer facilement. J'ai une vague idée. Je sais pas si c'est la meilleure des idées. Ça a marché. C'était pas une si mauvaise idée finalement. Hein. Ouais, qu'est-ce que ça a roulé. Ça marche. Impeccable. Impeccable, ça marche. Je pensais pas que ça allait marcher aussi bien. Après j'avais vu qu'ils avaient un flacon, donc je me suis dit bon. Si je les fais tous tomber leur flacon, ça devrait le faire quoi. Et ça l'a fait. Donc c'est essentiel. Ok, on va récupérer des trucs en même temps, ça va être bien. Ok. Ok encore. J'ai pas mal de pièces détachées quand même. Un peu de poudre, ça c'est très très bien ça. Mais j'avais pas vraiment d'autres moyens hein, pour. J'avais pas beaucoup de moyens pour les tuer autrement comme ça ou les affronter directement. Je crois pas. Hein. Moi j'ai pas l'impression. Non. Non, j'ai vraiment pas l'impression. Ok. Bon, je pense que j'ai choisi la meilleure des solutions, je pense en vrai. Je pense que j'ai choisi la meilleure des solutions. Alors. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Juste à ma gauche, donc c'est ce bâtiment là. Ok, ça. Moi, ça me va. Ok, c'est là-dedans. La brasserie du diable. Ça. Attends, il est où l'opérateur mobile? Juste là-bas, ok. On dirait qu'il a des ennuis. Je suis dans la zone là? Pas spécialement.
Je crois qu'il est mort. Hein. Je crois qu'il est surtout mort. Hein. Servir à en tuer quelques-uns en même temps. On va d'abord étudier la scène entre guillemets. On va commencer par étudier le bordel là, faire vite fait le tour. Et en fonction de ce que je trouve, on avisera. En fonction de ce que je trouve, on avisera. Allez, ok, ça le fait. On pense m'avoir vu, mais il m'a pas vu, c'est plus important. Allô. Moi c'est Sébastien. Enchanté. Oh, la petite statuette là-haut, je l'ai vu. Donc il m'en reste une là-bas. De trop bouger. Bon, assez discretos on va dire. Allez viens. Tu tournes, je te fais ta fête. Allez viens. Viens là ma cocotte. Oh, putain elle a une hache, attention. Ah, bouge Sébastien. Allez hop, on bouge. Je vais économiser une balle du coup. Allez viens là-bas petite. Eh, t'es où? Eh, cocotte, je suis là. Viens. Allez viens. Oh. Salopard. Allez, tu crois. C'est efficace, c'est radical. Ça marche. Ok, elle est morte. J'avais déjà une hache, j'aurais mieux fait de la buter en fait, je suis trop bête. J'aurais dû économiser une balle et la buter. Bon, au moins je sais qu'il y a une hache ici. Après ça a été assez... je trouve que je me suis trop bien débrouillé. Niveau discrétion. Je trouve que ça allait. Alors attendez, je suis pas fou, je sais qu'il y avait, je sais qu'il y avait une petite... Là, ça a l'air d'être assez, ça a l'air d'être une mine d'or. Il y a d'y avoir quand même pas mal de choses ici à fouiller. C'est quoi, c'est de la poudre, hein, je crois. Poudre plus 4, c'est bien ça. C'est bien, c'est pratique. Ah, un agent Mobius, ok. Ok, là je trouve pas mal de trucs, c'est quoi. Ok, pas mal. Nice. Oula. Autre bruit, il y a un copain là-bas. On va faire demi-tour. On va d'abord finir de looter cette zone.
avant de faire la suite. Ok, là c'est le bordel, c'est le bordel, c'est tout. Là ici, il n'y a rien, d'accord. Donc là tout le tour, il n'y a plus rien. On a la fameuse hache là-bas. Ok, on a la poudre. Des pièces détachées, c'est cool. Cool, elle, elle est morte. Je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour. Hein. On va juste mettre un petit coup de piqueuse. Voilà. C'est déjà j'en ai, on peut en profiter. Alors. Du coup la zone elle est où? Ok, je suis plus du tout dans la zone. D'accord, ok. Mais vraiment plus du tout. Bon, qu'est-ce qu'on a en face? Sac, je dirais, plus ou moins. Ok. Non, attendez, il y avait encore un endroit où je voulais aller. C'était là-haut. Parfois, dans les trucs là-haut, il y a des choses. En l'occurrence, là, il n'y a rien. Mais parfois, il y a des choses, donc je me suis dit, bon, je vais vérifier quand même. Ok. Reconnu. C'est Stefano. La résonance inconnue, c'est... Ah bah c'est là où il est mort, ok. C'est là-bas. La résonance, la résidence. Elle a bougé? Non. Non, ça... ça vit. Je le finis. Hein. S'il avance, il est mort. Comme ça. Allez! A plus, mon gars. Ce fut un plaisir. Non réciproque. Bien! Là, il n'y aura rien. On va équiper le. On va examiner la pauvre. Clé de la réserve. Trouvée sur un cadavre dans une allée, cette petite clé. Ouvre la réserve située près de la poste. Nice! C'est celle que je cherchais au début de l'épisode dernier, je crois. Si je dis pas de bêtises. S'il y a une clé, c'est qu'il y a un verrou. Je me demande où il peut être. C'est déjà où il est, hein. Déjà où il est. Merde! Je suis prise au piège. Je dois sortir d'ici. Putain, ce que je voulais, c'était juste trouver le blindé et une barrique ici. Au secours! Quelqu'un m'entend? Oh merde! Je vais mourir dans le stem. C'est comme si j'avais jamais existé. Désolé, Lawson. Je vais finalement pas pouvoir venir te chercher avec le blindé. C'est moche. C'est moche. Encore? Non. Non, non. Non, j'en ai chié avant pour te buter, je vais pas te buter encore. Non, j'espère pas. C'est la merde. Putain, je pensais t'avoir buté, saloperie. Hé, hey, je suis là. Ouais. Oh. Salut. C'est bon, tu réagis? Que je suis là? Elle est aveugle ou quoi? Salut. Allez, on réagit. Ça prend feu. On fait demi-tour. On met le carreau plus vif. De la merde là, je t'avouerai.
Et merde. Plan B, plan B, plan B, plan B. Est-ce que j'aurai un plan B dans les environs? Réfléchissons, Sébastien en réfléchit. La barrière. La barrière, c'est un plan B, clairement. Okay. La barrière, elle va être bloquée devant. Exactement. Permet de temporiser au maximum. Ok. Elle est intelligente pour remonter là. Ou pas. Oui, elle l'est. Pas trop à ça. Pour la battre, ça va être très chiant. Regardez ça. Vraiment de les recharger. Par là, évidemment. Je vais mettre un petit coup de... C'est pas le moment, mais c'est pas grave. Un petit coup de craft. Carreau explosif, clairement. Clairement, carreau explosif, clairement. J'en ai combien? J'en ai deux. Bah, deux. Pistolet, non. J'essaie de le faire autrement. Je mets du temps parce que je réfléchis, je suis désolé. Il n'y a pas une borne d'incendie. Un tonneau, quelque chose quoi. Ah, elle ne me voit plus la robe. Elle me voit plus, mais je voudrais ne pas avoir gâché mes carreaux explosifs. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas. Merde. Carreau électrique, je peux pas. Là, j'ai du monstre, donc on va éviter d'aller par là-bas. Là-bas aussi, j'ai du monstre. Allez, par là. Ça, elle me suit de toute façon, donc. En tous les cas, je me fais un peu avoir dans l'idée. De toute façon, elle me suit, donc je suis un peu dans la merde. Je crois que j'ai pas d'autre choix que d'y aller. Oh, ça servait à rien. Je viens juste de gâcher de la. Je viens juste de gâcher des balles, c'est tout. Tout ce que j'ai fait, j'ai juste gâché des trucs. Génial, je me hais. Je me hais littéralement. La merde, moi je vous le dis, c'est la merde, c'est pas le prix là. Je retourne là-bas, je pars contre toi. Allez, regène Sébastien, regène ta course. Un recours. On va se remettre là. Pourquoi elle a pas pété? Pourquoi elle a pas pété ma mine? Pourquoi elle a pas pété? Je vais balancer en plein dessus. On peut pas aller là-bas. Okay.
Allez, c'est pas bien. On insiste. Parce qu'il me faudrait... J'ai des pompes à essence, pas de l'arme, mais j'ai pas de carreau explosif. J'ai pas de carreau... Deuxième étape. Elle est en lambeau, hein, clairement. Bon, elle est en lambeau. Elle va pas tarder à crever. Hein. Oh, yeah. Oh, bah là, je crois que c'est la merde. Hein. Je sais pas comment ils font, les gens sur les let's play, ils arrivent à se faire un truc de gros malade. Genre, putain de... Ils arrivent à se faire une réserve, mais de malade, genre ils ont 36, 40 balles, 50 balles. Mais comment ils font? Juste comment vous faites? Expliquez-moi. Je comprends pas. Ouais, tout ce que j'ai c'est ça qui sert à rien en plus. Bah voilà. Et ben à part le couteau... À part le couteau, j'ai plus rien pour la battre en fait. J'ai plus rien du tout. Ouais, hein. Je suis foutu, hein. Clairement. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La hache là. Ouais. 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 Attends, te lâche. Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Vraiment. Nom de Dieu, hein. Combien? 1500 de vous? Ah, 4000, hein, quand même. Et quand même les 4000, parce que, hein, j'en ai besoin quand même. Voilà, je suis niveau à 0 balles, donc c'est vraiment la merde. Je trouve quand même le plus gros défaut du jeu. Le plus gros défaut du jeu, je dirais, c'est quand même le manque de poudre. On nous donne zéro poudre. Et pourtant, j'ai fait tous les... Je cherche tous les mecs, etc. Mais zéro poudre, rien, que dalle. Et le problème, c'est que la poudre, fait... c'est toute la monnaie du jeu. C'est vraiment tout ce qu'il fait dans le jeu. Et ben, sauf qu'ils m'ont donné rien. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Mais bon. Putain, par contre, ça, on nous leur donne, quoi. J'en ai 24, quoi, sans déconner. Ça me sert à rien. Journal du barman. La dernière entrée de ce journal usé. La brasserie est en plein essor. Les affaires vont bien. Il y a de nouvelles têtes à Union et ces temps-ci, les gens arrivent en train et ils ont soif. Si ça continue comme ça, je pourrais enfin me payer de bonnes tireuses à bière. Pete se plaint qu'il y a trop de monde. Moi, je dis, plus on est fou, plus on rit. Il a toujours été un peu irascible, mais il est vraiment bizarre ces derniers temps. Il s'assoit à cet endroit habituel, regarde les nouveaux clients d'un œil mauvais et parle dans sa barbe. Je devrais le mettre à la porte, mais il a toujours été mon meilleur client. Et regardez, voilà, franchement, ça montre une fois de plus, voilà. J'ai besoin de poudre, et il m'en donne quoi? Une! Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une? Ah, c'est un cocktail parisien, ça. Étonnant pour un jeu anglais. C'est bizarre qu'il n'y a pas pas de cocktail, un shaker parisien, pardon. C'est étonnant qu'il n'y a pas de shaker bostonien. C'est ce qu'on voit en général dans les films, plus couramment. Ouais, je sais, je m'y connais. Putain, on me donne rien. Rien, pas une poudre, que dalle. Je trouve ça un peu...
Je sais pas ce qui... Ça, c'est de l'art. C'est juste une photo. Sébastien. Ça, je trouve ça un peu... Alors, soit le jeu, vraiment, il nous donne pas assez de poudre. Soit l'inverse, ils ont estimé les crafts des... Ils ont estimé les crafts des différents... des balles, etc. trop cher. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais te lacérer la gueule. Oh, le coup dur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Merde. Fermé. Il doit bien y avoir une clé ou quelque chose. Alors j'en ai une clé, mais... Pareil, la clé, elle va amener au... Elle va amener à l'espèce d'entrepôt au garage. Je vais avoir quoi? 3 poudres? Waouh, fantastique. Même pas pouvoir faire une balle avec 3 poudres. Bon. Ne flippe pas. Tu deviens une œuvre d'art. Tu vas faire partie de mon obscur. Charmant. La chair. Moins malléable que l'argile, mais plus douce encore que le marbre, le matériau parfait. Ah, impossible de se concentrer avec ces cris. Une sculpture n'a pas besoin de langue. Tout à fait charmant, ça. Ah, pour moi, c'est trop facile. Hein. On me donne la clé sur un plateau. Je m'en doutais. Wow. Qu'est-ce qu'ils sont généreux? 4 balles de pistolet. Oh, merci, vous êtes vraiment super généreux. Hein. Une bombe fumigène qui ne sert à rien en plus, parce que les fumigènes ne servent à rien, puisque je n'ai pas l'amélioration. Waouh! Quelle chance! Traverser ce machin? Non, peut-être pas en fait. J'ai fait de la merde, hein. Ok, ça passe. Heureusement que ça passe. Je fais de la merde, mais ça passe, heureusement. Ok. Ok. On va essayer d'économiser le plus possible les balles, hein, vraiment. Pour essayer de les garder contre les gros monstres, vraiment. Et les petits, on va essayer d'éviter au mieux. Oh, une hache, c'est trop bien ça. Ça, c'est vraiment bien. Je sais pas où il est le méchant par contre. Ouais, si je me mets là, de ce côté de cette caisse là, je pourrais le choper au prochain tour. Là-bas on a rien, on est d'accord. Je suis sûr de pas me... Ok, il va venir par là. Allez, viens, avance mon petit, avance. Allez, viens, 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 viens. Viens voir papa. Et puis, avance, avance. Avance et tu meurs. Ok. Parfait. Ok, c'est cool. Là, il n'y aura rien.
est là et un qui est là. Ok. Non, non, non. Merde. Il m'a perdu, il m'a perdu, il m'a perdu. Tout va bien, il m'a perdu. Tout va bien, il m'a perdu. Tant mieux, il m'a perdu. J'ai la chance, il va faire demi-tour et je vais juste devoir le buter. Simplement, efficacement, clairement. Allez, viens là, mon copain. Salut! J'étais là! Ok. Ok, ça roule. Oh, de la poudre. Là, ça fait plaisir, ça. 8 de poudre, ça, ça fait plaisir. Ok, donc nous avons une grille ici. On n'a pas le choix, alors on va l'ouvrir. Allez. Ok. Je sais pas pourquoi, quelque chose me dit que je vais devoir l'affronter, celle-là, là-bas. Quelque chose me dit que c'est ce qui va se passer. Pour l'instant, j'ai utilisé aucune balle dans cette zone, donc c'est plutôt cool. Du coup, j'ai la clé. Voilà mon œuvre d'art. Sans déconner. Stefano, c'est toi ? Bah oui, moi je pose la question. Oh pétard. Oh pétard. Je peux le désactiver ? Non. On avance tout en douceur. C'est plus facile avec ça. Hoffman, j'espère que vous aviez raison à propos de ce truc. Sur une balle dessus là. Ça marche pas. Mais je peux passer par là. Bon, j'ai niqué une balle mais c'est pas grave. C'est parti. Allez! Ok. Bon, j'aurais niqué une balle surtout, ça va. Une balle, ça va, c'est pas grand chose. Ça va. Détruire le travail de Staré a vraiment un effet thérapeutique. Mais ça n'est pas encore fini. Encore un. Allez. Ok. 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 Bon, on va ressortir de là. Bien, mais voilà. Alors, moi ce qui m'intéressait c'était aller voir peut-être l'endroit où c'était verrouillé. C'était là. Hein. Donc on va aller. Ah, j'ai un truc là. J'ai dû rater ça, non? Attends, il est où l'opérateur? Là il est. Ok. Là il est devant en face de moi. Quelques balles, c'est cool. 8 je crois, non? C'est... J'ai bien vu. 5, ok. C'est... Il y a clairement un truc au milieu. Qu'est-ce qu'on a en face? On a la prochaine zone notamment. Ok, donc on ira forcément là-bas mais plus tard. On ira forcément là-bas mais plus tard. Donc pour l'instant je peux éviter simplement la zone, ça ne sert à rien d'y aller. Ah ben je suis coincé là. Bon madame. Ah j'avais un bidon là. Ouais, je suis coincé.
je l'utiliserai pour une autre fois, si besoin, si nécessaire. Au cas où qu'il y a l'autre taré qui est de retour. On n'est jamais trop prudent. Alors juste aller ouvrir quand même ce qu'il y a dans cette fameuse... Si, vas-y. J'allais aussi aller ouvrir ce qu'il y a dans cette fameuse porte là-bas. Je vais en profiter pour... Ah, je vais le prendre volontiers. Je vais en profiter pour le faire. Si déjà. Si déjà j'y suis. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Comme j'ai dit, trois poudres. On va avoir de la merde, tu vas voir. Je le sens bien la merde arriver, mais... Oh, peut-être pas finalement. Une grosse malle là. J'ai encore une hache, mais je voulais bien après sinon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, ces caisses sont fermées. Voilà. Cette poudre. Non, une poudre. Là, je l'avais dit hier, j'avais dit deux poudres. Hein. Attention. Hein. On est peut-être pas loin. Hein. Ah, cette poudre. Ok. Donc, on est à 8 poudres au total. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Un fusil à canon long. Ce fusil à pompe de moyenne portée possède un canon long qui augmente sa portée effective. Ouais, ça me plaît. Ouais, ça j'aime bien. Donc changer le type. Ouais, j'ai canoncier ou canon long. Clairement celui-là. Clairement celui-là. Oh là là. Oh merde, ouais. Je le savais. Je le savais, j'en étais sûr. Je peux toujours pas activer ce truc-là. J'ai une hache, mais elle me sert à rien du tout. Je vais pas avoir d'autre choix que de sortir par là. Ça va être la merde, ça va être une autre pièce de nouveau. Merde. Voilà. Ça moi. Moi je suis mort. Hein. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Offline. Génial. Tout ça pour ça quoi. Ouais voilà, c'est ce que je disais, une planque qui sert pas à grand chose non plus. Moi hein. Bon, j'ai eu un gros cap quand même. Était vraiment justifié. Pas trop. Bon, nous on va s'arrêter là en tout cas. On va s'arrêter là. J'espère que du coup cet épisode vous aura plu. De The Evil Within, on se retrouve du coup dans 4 jours pour la suite de ce let's play. C'était Salut, ciao tout le monde. Et à une prochaine. Allez, ciao!